Bonsoir les miens, j'espère que vous allez bien. Je vous prie de partager le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez massivement. Parce qu'on va se faire une petite communication tout à l'heure et vivement qu'elle soit vraiment partagée comme toutes les autres ces derniers temps. Je vous aime et je vous fais de gros bisous d'amour. S'il vous plaît. Alors, chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir les miens, bonsoir chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, je me permets de faire ce petit direct ce soir pour m'adresser à vous avant d'aller dormir. Parce que oui, j'ai fait le pari aujourd'hui de dormir un peu tôt. Tous les jours, je dors quasiment à 4 heures du matin et je vous assure que ce n'est pas viable du tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un peu de mon temps, me reposer un peu. Si j'ose faire, maintenant il faut dormir tôt aussi. Donc, j'essaye de faire cette petite communication qui me semble très, 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 très importante parce que je sors d'une famille où il y a eu beaucoup d'ignorants, où il y a eu aussi naturellement de personnes brillantes. Mais en grande majorité, dans mon entourage, j'ai grandi avec beaucoup de personnes totalement ignorantes. Et quand je parle de l'ignorance, ce n'est pas parce que, bien évidemment, je suis en train de les insulter. C'est un état, c'est un constat que je faisais à ce moment-là, parce que ces personnes-là, bien évidemment, ne savaient pas un certain nombre de choses nécessaires, peut-être ne serait-ce qu'à la revendication de leur humanité, de leur dignité et de ce qu'elles sont. Et j'ai vu comment, eh bien, les personnes qui avaient un peu de connaissances, comment les personnes qui n'étaient pas du tout ignorantes, manipulaient ces personnes-là. Donc, s'il y a quelque chose qui me fait au plus mal, vraiment au plus profond de mon âme mal, c'est l'abus de l'état d'ignorance des gens. Ce n'est pas pour rien que cela est une infraction. Ce n'est pas pour rien que c'est pénalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'on peut faire de la prison pour abuser de l'état d'ignorance de quelqu'un. Parce que c'est vrai, j'entends souvent beaucoup qui me disent, nul n'est censé ignorer la loi, c'est monté, c'est descendu, tralali, tralala. Mais il y a des gens qui sont ignorants et qui donc ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas se revendiquer un certain nombre de leurs droits. Et à ces personnes-là, malheureusement, eh bien, celles qui connaissent, celles qui ont un peu, en abusent souvent. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faut souhaiter à quelqu'un. Connaissant la douleur de cette situation, parce que plusieurs des miens ont été dans cette situation, je ne peux pas être de solidarité à voir comment on abuse publiquement de l'ignorance des Gabonais. Depuis que je me suis permise une expression sur les réseaux sociaux, je n'ai de cesse dit que les autorités du Gabon, que ce soit sous le régime d'Ali Bongo ou sous le régime de la transition de Brice Clotaire-Oligui Nguema, eh bien, font confiance à l'ignorance des Gabonais, l'ignorance de la majorité. Et du fait de cette ignorance, eh bien, ils se portent en donneurs de leçons qui sont en réalité des cours de médiocrité, des cours d'insanité intellectuelle, et que ceux qui sont dans cet état d'ignorance et qui ont souvent, bien évidemment, en développement, eh bien, d'une profonde humilité à reconnaître que elles ne sont pas en capacité de comprendre un certain nombre de choses, donc tout de suite font énormément confiance à des personnes, elles disposant d'un certain savoir, et donc avalent, boivent tout ce que ces personnes vont leur dire. C'est pour cela que je le disais il n'y a pas longtemps à quelques anciens du système, que vous savez, c'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe dans ce pays. Parce que vous avez condamné le peuple gabonais à l'ignorance. Vous avez biaisé l'école. Vous avez superficialisé l'école. Vous avez fait que l'école devienne, je ne sais pas, une seconde roue du carrosse. L'école n'a jamais été prise au sérieux dans ce pays. L'éducation du citoyen n'a jamais été prise au sérieux dans ce pays. Les quelques-uns qui allaient à l'école, c'était pour aller avoir un petit diplôme, pour pouvoir rentrer dans la fonction publique ou pour s'en prévaloir, pour bien évidemment avoir un poste politique.
Très peu sont ces personnes au Gabon qui sont à l'école parce que ils sont conscients que l'école va contribuer à la construction de ce que l'on appelle leur personnalité, à la construction de leur discernement. Parce que oui, on ne peut pas jouir d'un libre arbitre, on ne peut pas jouir d'un discernement, eh bien, si l'on n'a pas les prérequis nécessaires. Et quand je parle de prérequis nécessaires, c'est-à-dire si l'on n'a pas les connaissances, les bases fondamentales de ces connaissances qui nous permettent de statuer, de décider que ça c'est une bonne chose et ça c'est une mauvaise chose. On a tué l'école dans ce pays, c'est pour cela que, au-delà de ce que ça m'étouffe, quand je lis certains commentaires sur certaines de mes expressions sur les réseaux sociaux, je me rends compte du profond mal dans lequel nous sommes. Parce que je ne comprends pas que, eh bien, tu fasses une analyse sur un fait d'actualité. Un fait qui a été posé par un individu. Le fait de nommer l'individu ou de dénoncer la gravité de la contradiction de cet individu, on te constitue l'ennemi de cette personne. Voyez-vous, l'école a raté. L'école a raté dans ce pays et c'est de la responsabilité de tous ceux qui ont eu même une demi-seconde. Les responsabilités dans ce pays. C'est aussi peut-être notre responsabilité à nous qui connaissons souvent et qui décidons de souvent aller à la mangeoire en lieu et place de pouvoir édifier le peuple gabonais. Malheureusement, nous avons de culture dans ce pays que toutes les personnes qui connaissent un peu, eh bien, dès lors qu'elles s'expriment une, deux fois, le pouvoir les remarque, on les copte, eh bien, ils vont utiliser cette intelligence contre le peuple gabonais en manipulant l'information parce que conscient que ce peuple ne dispose pas des éléments lui permettant, bien évidemment, de se positionner en toute objectivité, c'est-à-dire le discernement. Et pour avoir ce discernement, il faut qu'il soit libre et il procède d'un consentement. Et pour que ce consentement soit recevable, il faut qu'il soit libre et éclairé. Dès lors que nous ne remplissons pas ces conditions, la liberté du consentement, c'est-à-dire qu'il ne soit soumis à aucune contrainte extérieure. Si je prends position parce que je sais que, eh bien, si je ne vote pas, si je ne rentre pas dans l'association Ossimane, je perds mon poste de délégué spécial, comme c'est le cas en ce moment. Nous tous, nous avons reçu les notes et autres qui circulent que tous les délégués spéciaux doivent adhérer à des associations politiques, sinon ils risquent leur éviction. Je ne sais pas si cela aussi est arrivé au niveau, bien évidemment, de Libreville, des délégations spéciales de Libreville, du Parlement de la Transition et consorts. C'est pour vous dire que vous ne pouvez même pas jouir de votre liberté de choisir. Votre liberté de choisir parce que, bien évidemment, vous êtes sous des contraintes. Soit c'est un poste que vous voulez protéger, sachant que si vous osez vous revendiquer votre liberté, eh bien, vous tombez en discrédit de la personne qui a la discrétion de vous maintenir ou de vous enlever du pouvoir. Eh bien, vous n'allez plus décider là en âme et conscience. Vous n'allez plus décider là selon, bien évidemment, les règles propres à la recevabilité d'un choix. Vous allez décider, malheureusement, eh bien, en considération de ce que il y a cette conditionnalité qui fait que si vous ne rejoignez pas le mouvement, si vous n'adhérez pas, si vous n'allez pas inventer ce qui n'existe pas, eh bien, vous allez perdre votre poste. Donc, votre choix n'est pas libre. Vous allez choisir, vous allez voter en considération de ce que vous avez à perdre. Ça, c'est pour ceux qui ont des choses à perdre, les nominations à protéger et consorts. Au-delà de cela, il y a aussi ceux qui sont dans la peur. C'est pour cela que vraiment, je voulais faire ce live depuis le matin, mais je n'ai pas eu le temps. Je me rends compte qu'au Gabon, depuis mes quelques sorties sur les réseaux sociaux, ceux qui prétendent être libres sont les principales personnes à véritablement être en condition d'esclavage, de privation d'absolue liberté.
Parce que je ne peux pas comprendre que tout le monde ait au bout des lèvres la libération et la liberté enfin dans notre pays, mais que les comportements qui suivent soient des comportements en réalité qui ne constatent que l'état d'assujettissement, l'état d'esclave, l'état de sujet dans ce pays, alors que nous étions censés être de célébration de notre liberté et de notre libération. C'était là le moment de, pour chacun de nous d'enfin se déployer au maximum de ses capacités pour enfin nous montrer ce que c'est d'être libre. Parce que quand on est libre, eh bien, on est fidèle à un raisonnement scientifique. Quand on est libre, on ne peut pas revenir de cesse sur sa parole, alors que bien évidemment, on a aujourd'hui pleinement conscience qu'avec l'audiovisuel, la parole d'hier peut être retrouvée et bien évidemment publiée. À partir de cet instant, chers compatriotes, je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'Albert Ondoosa ne pouvait pas prendre le pouvoir, les militaires ne pouvaient pas lui donner le pouvoir parce que tout simplement, eh bien, ça ne se passe nulle part. Alors que 2 mois, 3 mois, 4 mois avant, la personne prétendait, soutenait le contraire. Et quand on le rappelle, c'est devenu qu'on en veut à la personne. Vous pensez que nos vies sont si misérables que cela pour en vouloir à des individus? Non. Nous n'avons pas en vouloir, en tout cas ce qui est de moi personnellement, il n'y a personne à qui j'en veux personnellement. Que ce soit Laurence Ndong, que vous voulez m'attribuer lui en vouloir pour fuir le vrai débat, pour fuir les vraies questions, que ce soit toutes les autorités, Brice Clotaire, Oligui Nguema et consorts de la transition, je n'en veux personnellement à personne là-dedans parce que je ne connais personnellement personne là-dedans. Pour en vouloir à quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut avoir un passif avec la personne. Moi, je n'ai de passif avec personne. Donc, je ne vois pas au nom de quoi je me mettrai en position, bien évidemment, d'en vouloir à qui que ce soit. Sauf que, je vous comprends, beaucoup d'entre vous ne comprenez pas et ne savez pas ce qu'est la liberté. Moi, j'ai goûté à la liberté. Moi, j'ai expérimenter la liberté. Et au nom de ce que j'ai goûté à la liberté, j'ai expérimenté la liberté. Je ne peux pas me sentir assujetti à qui que ce soit. Sortez-moi une vidéo où je suis d'insulte à X ou Y, Z. Je peux avoir des qualificatifs qui sont peut-être pour vous peu honorables, je l'entends. Mais ça reste des qualificatifs qui sont fidèles au constat que l'on fait. Les faits sont là. On vous les rapporte. On interprète ces faits. Vous, ça devient des insultes. Je suis quand même en capacité de savoir ce qui renferme de la qualification d'une insulte, d'une injure, d'une diffamation, et que sais-je encore. Mon expression ne rentre pas dans une caractérisation d'une quelconque infraction du point de vue de la liberté d'expression. Parce que oui, moi-même j'ai été promotrice de cette liberté d'expression et de ses limites. Je connais donc ses limites. C'est pour cela que, au-delà du caractère dur de mon propos, au-delà de ramener à la vérité plusieurs personnes qui veulent se fondre dans le mensonge en prétendant des valeurs qu'ils n'ont pas ou qu'elles n'ont pas, vous pensez que j'en veux personnellement à ces personnes ou que je fais la chasse aux sorcières? Je dis non, parce que nous avons un devoir, nous, bien évidemment, d'éducation du peuple gabonais dans sa grande majorité. Et au nom de ce devoir, je ne peux pas être solidaire de laisser à nos enfants, de laisser à nos jeunes voir des personnalités politiques qui inventent la roue tous les jours alors que cette roue ne correspond à rien qui soit scientifiquement établi. C'est ce qui me fait chuter sur ce qui m'amène ce soir. Vous l'avez vu, on a dit tout ce qu'on devait, pour certains, porter plainte pour, bien évidemment, cette propagande abusive et hontée, bien évidemment, du référendum pour oui, du oui au référendum. Le ministre de l'Intérieur a réagi. Il réagit en disant, en rappelant l'article 69 de la loi électorale du 5 août 2024. Que dispose l'article 69, chers compatriotes? Le ministre de l'Intérieur fixe par arrêté la date d'ouverture de la campagne électorale. Celle-ci est ouverte par décret, pris sur proposition du ministre de l'Intérieur, en fonction de chaque catégorie d'élection, à savoir le 14e jour qui précède le scrutin pour l'élection du président de la République,
Le deuxième, le dixième jour qui précède le scrutin pour l'élection des députés et des conseillers municipaux et départementaux, le dixième jour qui précède le scrutin pour l'élection référendaire, c'est celle en cause, donc je ne vais pas lire la suite. Alors, quand on nous dit que le ministre de l'Intérieur est donc la personnalité publique compétente pour fixer de la date d'ouverture de la campagne et que après cet arrêté, le président, eh bien, doit prendre un décret. Nous sommes là, il avoue qu'il n'y a aucun arrêté qui existe à propos. Il avoue aussi qu'il n'y a non plus aucun décret parce qu'il estime tout naturellement que nous ne sommes pas en période électorale et qu'il n'y a donc pas les élections. Mais ce qui me tue ce soir, c'est d'aller tomber dans la suite du texte. J'ai mal à mon Gabon. Je vais vous faire lecture de cette suite. Je vais vous faire lecture de la note en question. Communiqué de presse, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Chers compatriotes, Libreville, le 4 septembre 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rappelle qu'en application des dispositions de l'article 69 nouveau de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées, la date d'ouverture de la campagne électorale pour chaque catégorie d'élection est fixée par arrêté pris par ses soins. Et qu'à ce jour, aucune période en date, aucune période ou date de propagande électorale n'a été arrêtée par l'autorité compétente. Jusque-là, j'étais contente. On est d'accord. Et puis, bam. En revanche, toute initiative actuellement observée, tendant à promouvoir ou non le référendum, ne devrait pas être considérée comme de la propagande électorale, conformément à la loi précitée, mais plutôt comme des actions de pré-campagne à l'élection référendaire à venir et qui, au sens de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 ci-dessus citée, ne sont pas interdites. Et ce, dans un contexte de vif attachement des populations gabonaises à la défense et à la promotion de leur liberté, notamment la liberté d'expression et le droit à l'information. Toutefois, les responsables de ces différentes réunions et autres rassemblements sont invités à les mener en respectant strictement les dispositions de la loi numéro 001/2017 du 3 août 2017 relative aux réunions et manifestations publiques en République gabonaise. Aussi, toutes ces actions de pré-campagne ne devraient-elles pas revêtir la forme officielle de campagne électorale et d'en être considérées comme telles? Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité compte donc sur le sens civique et patriotique de tous et de chacun. Les miens, applaudissez, applaudissez là-bas, applaudissez là-bas, applaudissez. Mettez les cœurs, partagez le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez le live. Pardonnez-moi, j'ai besoin de boire de l'eau. Mettez les cœurs, partagez le live. Jesus! Comment on fait ça? On peut faire ça. Partagez le live, mettez les cœurs. On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà vous-même, peuple gabonais. Parce qu'après, on va dire, Marlène, ne parle pas, s'il te plaît, tu te mets en danger, on va te tuer, ces gens sont dangereux, ces gens sont méchants. J'ai résolu l'équation là dans ma tête. Qui veut me tuer, me tue. Mais je vous assure,
Au nom de tout ce que j'ai de plus cher, je ne me tairai pas en assistant à ce comment on rend esclave, comment on fabrique la médiocrité au sommet de l'État dans ce pays. Ce pays, c'est le mien au même titre que chacune des personnes en responsabilité aujourd'hui. Donc, je ne me sens pas moins gabonaise que qui que ce soit. Je ne me sens pas en condition de me dire que, comme on est en période de transition, ce sont les militaires qui sont au pouvoir, s'opposer aux militaires, c'est un acte de guerre. Pardon. C'est vos réflexions, je les respecte, ça ne me concerne pas. Parce que il y a eu un coup d'État dans ce pays. Après ce coup d'État, il y a eu une période de transition. Et cette période de transition n'est pas une période de non-droit. Cette période de transition est régie par un texte qu'on appelle la charte de la transition. Et cette charte de la transition me garantit mes droits humains, me garantit mes libertés individuelles, me garantit mes libertés publiques. Si vous ne voulez pas utiliser les vôtres, pardonnez-moi d'utiliser les miennes. Si je dois mourir parce que je revendique ma citoyenneté, parce que je défends la République gabonaise, je mourrai. Rien ne m'en protégerait. Tout le monde sait où je vis. Et d'autant plus les gens au pouvoir. Donc, je ne suis pas en cachette. Je ne me sens pas particulièrement protégée par quoi que ce soit. Si on veut m'atteindre, on va m'atteindre. Vous pouvez vous réveiller un matin, on m'a tué. Et puis, ça ne va rien changer à mon combat. Si je meurs, je dois mourir digne. Jusque-là, il n'y a rien que je fais qui soit de nature à porter atteinte à l'ordre public. Je ne serai donc pas celle qui va se taire devant celles et ceux qui, eux, chaque jour, portent atteinte à l'ordre public. Parce que quand on sort une loi, comme cette loi électorale, quand on décide de la violer, quand on décide de créer des concepts qui n'existent pas à la pré-campagne, quand on décide de ne pas faire dire et faire comprendre aux Gabonais qu'une période électorale ne peut pas commencer dans ce que vous appelez au quartier la pré-campagne. Ça a été de culture politique gabonaise de toujours inventer des choses qui étaient de nature à permettre au PDG d'être sur le terrain avant que les autres n'aient la possibilité de le faire. Et on a toujours analysé cela en des périodes de pré-campagne. La pré-campagne, c'est quoi? Ça existe où? C'est écrit où? Ce texte-là, pourquoi ne nous parle-t-il pas de pré-campagne? Pourtant, ce sont eux qui ont fait cette loi. Ils auraient pu mettre dedans une disposition qui prévoyait qu'il y a une période de pré-campagne qui s'entend de ceci, de cela. Même dans les actes préparatoires à un scrutin, on ne peut pas y avoir, bien évidemment, une idée de pré-campagne et qui serait de nature à comporter des éléments fondamentaux d'une période de campagne. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi? Je ne sais pas, j'ai mal à mon Gabon. Vous êtes en train d'abrutir le peuple gabonais, monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous êtes en train d'abrutir le peuple gabonais. Et je vous assure que j'ai mal à mon Gabon. Parce que vous vous dites libre, en réalité vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes vraiment médiocre, soit vous n'êtes pas du tout libre et que malheureusement vous êtes obligé dans un seul texte de mettre autant de contradictions, autant de non-sens et embobiner le peuple gabonais qui vous regarde. N'avez-vous donc pas un peu d'amour, un peu de considération, un peu d'estime pour vos compatriotes que nous sommes? C'est quoi ça? On fait ça comment? On fait ça comment? J'ai mal. J'ai vraiment mal. C'est dur. C'est très dur. Mais je ne vais pas pleurer. On ne peut pas faire ça à son pays. On ne peut pas faire ça à ses compatriotes. On ne peut pas faire ça aux siens. Et vous vous rendez compte, on a tous décrié ici que les Bongo ont condamné le peuple gabonais à l'esclavage. Mais ce que vous êtes en train de faire sous nos yeux, c'est quoi? Vous êtes en train
de rendre primitif le peuple gabonais. Et vous faites ces annonces officiellement, c'est un communiqué de presse. Le monde entier le lit. Et voilà ce qu'on sert comme image du Gabon devant la terre entière. Et vous pensez que quand on vous reçoit dans les salons feutrés à Paris et autres, on a de la considération pour vous. Non, on vous prend pour des petits primates en fait. Parce que si vous êtes même incapable, ne serait-ce que de vous revendiquer ce qui est dans votre tête, c'est grave. Au début, moi je fais partie de ces gens qui ne croient pas que vous êtes des idiots. Mais alors, si ce n'est pas de l'idiotie, si ce n'est pas de l'ignorance de votre part, c'est quoi? Vous écrivez ces choses avec le fusil à la tempe? On vous impose ces choses? Vous voulez nous faire croire que ce sont les militaires qui disent vous avoir libéré, qui vous mettent les fusils sous la tempe pour pouvoir pondre autant de conneries, de bêtises et pour manipuler avec autant de gravité la conscience du peuple gabonais? De vouloir nous faire croire que la pré-campagne peut déjà existe. Les actes de pré-campagne, c'est aller se déclarer candidat. Si on doit parler des actes de pré-campagne, et ces actes sont encadrés, ça ne participe pas d'une quelconque propagande. Dans une période de pré-campagne, comme vous dites déjà, ça n'a pas de sens, la pré-campagne. C'est la campagne qui a un sens. Et dans la campagne, on a des éléments qui font partie de la campagne. On a la propagande électorale. Et dans cette propagande électorale, on a l'affichage. Dans cette propagande électorale, on a bien évidemment toutes les communications qui permettent à chaque candidat d'exprimer et d'expliquer son projet et bien évidemment de susciter de l'intérêt autour de ce projet. Et là, on parle du référendum. La campagne ou la contre-campagne de ce référendum serait soit d'expliquer le projet de ce référendum, le projet objet de ce référendum, ou de dire que nous ne sommes pas d'accord et de dire oui, je suis d'accord avec ce projet, donc je demande de voter oui. L'autre va dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ce référendum, donc je demande de voter non. Mais vous nous apprenez aujourd'hui que la propagande électorale est un acte de pré-campagne et pas un acte de campagne. Et vous osez dire que l'article 69 n'est pas violé? Parce que pour vous, le peuple gabonais est attaché à la liberté d'expression et d'information. Vous osez écrire que, eh bien, vous respectez notre liberté d'information alors qu'on n'a aucune idée du projet de constitution que vous gardez en catimini? C'est quelle information pour le peuple gabonais? Vous confondez même une invitation ou une contrainte à une information. Une information, c'est de dire aux Gabonais que il y a le référendum, telle date, tel mois, tel jour. Il faut s'y préparer. Le référendum portera sur le projet de la Constitution. Et cette Constitution, elle est disponible en ligne. Appropriez-la vous. Donc, les panneaux de publicité qu'on doit voir dans cette période-là, ce sont des panneaux qui nous disent où on peut trouver la Constitution. Et comment on doit se l'approprier en la lisant pour que nous décidions librement. Mais vous nous apprenez ce soir que la propagande électorale qui est dans tout le Gabon avec voter oui entre les chansons qui passent à la télévision nationale, l'affichage honteuse, même Ali Bongo n'a pas envahi autant l'espace avec ses affiches, font partie de ce qu'on appelle la pré-campagne. C'est quoi la pré-campagne? C'est quelle notion juridique? Je veux savoir, on lit la pré-campagne où? Même les actes préparatoires à un scrutin sont encadrés par la loi. Sortez-moi une disposition. Vous voyez que pour parler du début et tout ça, mais mon Dieu, comment on va dire pré-campagne alors que cette pré-campagne a des actes de la campagne? On va revoir un peu l'article. Le ministre fixe par arrêté l'ouverture de la campagne. Si on fixe l'ouverture de la campagne, au nom de quoi il doit y avoir une pré-campagne? C'est quoi la pré-campagne? On devait avoir un article 68 bis qui dispose « La pré-campagne est lancée tant de temps avant la campagne. » Et le contenu de cette pré-campagne? Cette pré-campagne, bien évidemment, comprend la promotion du candidat, la promotion de ses idées, la promotion ou la propagande. On devait avoir cet article. Ça n'existe nulle part, ni au Gabon, ni en France. Une période de pré-campagne.
C'est la campagne, point. Et c'est cette campagne qui est encadrée. Maintenant, les actes préparatoires au scrutin relèvent de ce scrutin-là. Il y a des dispositions qui prévoient les jours, le jour où vous déposez vos candidatures, le jour où vous devez remplir certaines conditions, le jour du début de la campagne où chaque candidat, parce que quand on arrive à l'étape de campagne, c'est qu'on sait déjà qui est candidat, qui ne l'est pas. On a fait des actes préparatoires au scrutin. Mais vous inventez parce que vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas le courage. Vous n'êtes pas libre. Soit c'est l'ignorance, soit c'est que vous êtes, vous chantez tous les jours à la télévision, à chacune des opportunités où on vous tend un micro, que vous êtes libre, que le coup de la libération a fait ceci, a fait cela, alors que vos actes vous trahissent chaque jour. Parce que soit vous êtes totalement ignorant, ce dont je ne peux, en fait, j'émets des réserves là-dessus, je ne peux pas l'affirmer. Parce que je ne peux pas croire que vous avez été ministre de l'Intérieur, je crois, sous Ali Bongo. Vous êtes ministre de l'Intérieur sous la transition et que vous ne savez pas c'est quoi l'organisation d'une élection. Et que vous ne savez pas quels sont les grands principes d'une élection. Que vous ne savez pas quelles sont les grandes périodes et les obligations de chacune de ces périodes dans une élection. Je ne peux pas le croire. Donc, la libération que vous nous vendez tous les jours à la télévision n'est qu'une farce, n'est qu'une manipulation. Vous n'êtes pas libre. Parce que quelqu'un de normalement constitué, qui a la science de son domaine ministériel, ne peut pas se permettre de pondre ce que vous avez pondu. Si ce texte vient vraiment de vous, le texte qui circule dans tous les réseaux sociaux, si ce texte vient de vous parce qu'il est dit signé de vous, si ce texte vient de vous, vous ne pouvez pas pondre ça, sauf à avoir un fusil sous la tempe. Et si c'est la réalité, mon Dieu, ça veut dire que vous êtes encore en train d'être complice de la condamnation du Gabon et de tous les Gabonais. Et que demain sera encore pire. Et que demain sera encore pire que tous les pronostics qui prédisaient déjà que le réveil sera brutal. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que à ce niveau de responsabilité, vous en soyez réduit à ça. Et vous allez vous étonner demain que nos enfants soient médiocres. Mais nos enfants vous regardent. Nos enfants vous lisent. Tous ces élèves qui vont lire un texte de ce genre. Tous ces étudiants qui vont lire un texte de ce genre. Demain, il va aller faire un devoir où on parlera de la période électorale. Grand 1, la pré-campagne. La pré-campagne est une période pendant laquelle le candidat qui le veut, en expression de sa liberté d'expression et d'opinion, peut décider de faire l'affichage, de mettre les panneaux pour appeler à le voter avant même la campagne. Après, grand 2, la campagne. La campagne, c'est une période dans laquelle, pendant laquelle tu peux fédérer autour de ta personne, de ton idée, de ce que tu défends, en procédant par affichage, par ceci, par cela. Mais le prof qui va recevoir, ça, il va dire, mais l'enfant là, est-ce qu'il écoute mes cours? Est-ce qu'il a un peu de culture générale? Ou qu'est-ce qui se passe? L'enseignant lui-même sera surpris. Mais puisque vous avez en tant qu'autorité, ministre de la transition, ancien ministre de la République, quand même, l'obligation d'éduquer le peuple, votre parole n'est pas une vaine parole. Votre parole peut être citée dans un livre, peut être citée dans un devoir, parce que votre parole doit être, bien évidemment, avec des qualités irréprochables, scientifiquement parlant, ne serait-ce que ça. C'est ce que voudrait la normalité. Mais cet enfant, à qui vous expliquez qu'un coup d'État n'est pas un coup d'État, c'est un coup de libération, cet enfant à qui vous expliquez, eh bien, que... Il y a une période de pré-campagne électorale qui renferme du même dispositif que la période de campagne. Eh bien, je ne sais pas comment cet enfant se positionne dans la construction de sa personnalité. C'est pour cela qu'on a dans ce pays des personnes incapables de s'affirmer une personnalité. Parce que vous les avez élevés et éduqués dans la duplicité, dans le mensonge. Le matin, vous défendez des valeurs. Le soir, vous faites le total contraire de ce que vous avez prétendu défendre le matin. Et quand on élève une nation, quand on élève les enfants dans ces conditions, on ne va avoir que des adultes comme Laurence Ndong, comme tous ceux qui se permettent une expression aujourd'hui, comme Fumbula même,
qui, il n'y a pas longtemps, le 2 septembre, nous partageons un même plateau à Télé Africa qui soutenait une chose. Que les militaires doivent absolument remettre le pouvoir aux civils, que le président ne pourra pas se présenter et que ce ne serait même pas normal du tout, qu'il ne peut pas y avoir de parlement de la transition parce que le parlement relève de la notion institutionnelle et que cela procède du suffrage universel, du suffrage de l'expression de la souveraineté nationale, mais finalement lui-même il est parlementaire de la transition. Mais comment voulez-vous que les jeunes qui nous suivent, que les jeunes qui nous regardent, moi aujourd'hui qui me permets cette expression et demain on me voit en total contradiction de ce pourquoi je me suis battue. Dites-moi ce que nous faisons, ce que moi je suis de contribution à faire à nos enfants qui peuvent me voir dans cette expression aujourd'hui et demain me voir dans une expression qui est en totale violation de ce que je défendais aujourd'hui. C'est comme ça qu'on tue un peuple. C'est comme ça qu'on tue des générations et des générations parce que vous n'avez pas le courage de défendre ce Gabon. Vous n'avez pas le courage de vous affirmer ne serait-ce qu'une identité citoyenne. Vous n'avez pas le courage. On vous impose de chanter liberté et libération alors que, bien évidemment, les actes que nous observons tous les jours sont de nature à nous convaincre que vous n'êtes pas libre. Parce que je ne peux pas me l'expliquer autrement. Soit c'est de l'ignorance totale, absolue, la médiocrité au sommet de l'État et que voilà, au-delà de tout, vous ne pouvez rien faire et que même nos militaires ne peuvent pas vous aider. Soit ce sont nos militaires qui vous imposent cette condition d'exprimer que la médiocrité pour tenter de justifier les actes qu'eux, ils ont jugés à faire et que vous ne pouvez pas justifier légalement et scientifiquement. Donc vous êtes obligé, bien évidemment, de vous tenter une petite intelligence en rappelant que le texte existe, bien sûr, mais bon, vous n'avez pas pris de mesures parce que, et créer toute une notion de période préélectorale, eh bien, qui serait de nature à avoir les mêmes attributs que la période électorale. Comment on fait ça? Et nos enfants vont... Et ça va passer à la télé, je suis sûre, ça va être lu à la télé. Et nos enfants vont mettre ça dans leur crâne. Et ça va rester. Parce que à même l'enseignant, la parole de l'enseignant, tu peux la mettre en doute. Mais la parole des ministres qui passent à la télévision, tu vas la mettre en doute comment? C'est ce que nos enfants vont retenir. Puisqu'il y a même des livres qui disent déjà le coup de libération. Peu importe la nature de ces livres. Puisqu'aujourd'hui, on peut dire, c'est un truc de presse, je crois. On peut dire un communiqué de presse. Donc, c'est une adresse à l'opinion nationale et internationale. On peut leur dire que désormais au Gabon, eh bien, la période électorale, elle est ouf. Je l'ai cherchée. Je me suis dit, ah, comme ils inventent les choses tous les jours, peut-être il y a un article qui doit prévoir la période préélectorale, la pré-campagne des vieilles habitudes du PDG. Vous avez tous dit, on chasse le PDG. Et quand on va reprendre les vidéos de vos PDGistes qui ne sont même pas capables d'assumer qu'ils ont été PDGistes, qui ne sont même pas capables d'assumer que hier, ils ont dit qu'Ali Bongo, c'était le meilleur président. Qu'Ali Bongo a été élu. Qu'Ali Bongo avait un bilan économique extraordinaire. Que les Gabonais étaient fiers de l'avoir comme président. Qui ne sont même pas capables de reconnaître ce petit passé-là chez Ali Bongo et avec Ali Bongo en totale admiration d'Ali Bongo, qui sont aujourd'hui en train de nous expliquer oh combien Ali Bongo, ça a été le sanguinaire en chef, ça, il n'a jamais été élu, il n'a jamais été président. Comment on peut construire une nation sérieuse avec des figures publiques de cette nature? Comment? Vous êtes en train de corrompre pour des générations et des générations nos enfants. Vous êtes en train de condamner ce pays-là. Je l'ai déjà dit sous Ali Bongo, dans un live où je m'adressais aussi à Ali Bongo et à ces gens. Je l'avais dit que quand je vois le comportement de nous Gabonais, je constate même que un Camerounais qui a suffisamment d'argent ou un Guinéen qui a suffisamment d'argent, qui paye une armée, qui envahit le Gabon en une demi-journée, eh bien, c'est fini, le Gabon a plié. Tous ceux qui étaient même au pouvoir vont aller faire allégeance à cet étranger, à ce dictateur, à ce putschiste ou à ce, comment vous dire, terroriste. Parce que j'ai l'impression que on ne nous a pas éduqués à nous battre, à nous défendre. On nous a éduqués à la soumission. J'en ai malheureusement l'impression. On nous a éduqués à la soumission. Les pères, les mères de famille, tout le monde doit être soumis et nos militaires le savent.
Nos militaires le savent, qu'on n'est capable d'aucune contradiction, qu'on n'est capable d'aucun combat sérieux en regardant quelqu'un dans les yeux, qu'on n'est pas capable de se défendre et de se battre. On est même capable de vendre notre enfant et de l'offrir à la vindicte populaire parce que le plus grand nombre a décidé que c'est comme ça. On en est capable dans ce pays. On ne nous a pas appris à nous battre. On ne nous a pas appris à nous reconnaître une dignité. Et c'est trop dur pour moi de le constater. Donc si je dois mourir pour ça, je mourrai. Je mourrai. Oui, ma fille, ne fais pas ça. Tu sais, le peuple gabonais, on ne peut pas se battre pour lui. Ils sont comme ça, versatiles. Ils t'insultent. Ils font. Je ne fais pas ça pour avoir des félicitations de qui que ce soit. Si je faisais ça pour avoir des félicitations de quelqu'un, ou pour être promu quelque part, je n'aurai pas la même conviction que j'ai là à le faire. Je ne prendrai pas de mon temps tous les jours à essayer d'être utile à vous tous. Ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur est grave. J'ai même l'impression que c'est peut-être vous qui m'envoyez des clients au cabinet pour que jamais je n'ai le temps de m'occuper de ces actions. Aller en justice contre vous. Parce que malheureusement, en ce moment, je n'ai pas le temps. Même lundi, j'avais prévu aller à la Cour constitutionnelle. J'ai été embourbée par des clients avec des demandes précises, spéciales, urgentes. Je me suis dit, c'est mon gagne-pain. J'ai dû mettre mon activité citoyenne de côté pour essayer d'abord d'aller gagner mon pain dignement. J'ai l'impression... Parce que je vous assure que si je n'avais vraiment pas de... C'est pour cela que je comprends en France que quand on décide de faire de la politique, quand on décide de s'engager en politique, on ne fait que ça. Dès que tu t'engages en politique, tu ne peux pas faire autre chose. Mais nous, on a un peuple qui n'a pas encore une grande conscience de l'engagement politique. Si tu vas créer un mouvement politique, tu dis à tes adhérents et machins sympathisants de cotiser pour que tu sois payé, pour que tu puisses vivre dignement et que tu fasses ton travail de leaders politiques, convenablement, ils ne vont pas cotiser. Et comme moi, je ne veux pas me retrouver aller mendier de l'argent à qui que ce soit pour manger, pour boire ou pour m'occuper des miens, je suis obligée de travailler et de consacrer eh bien, à ma citoyenneté que le peu de temps qui me reste. Et ça fait que, je vous assure, je ne me dors pas beaucoup. Je ne dors pas beaucoup. Peut-être c'est même aussi une autre manière de ralentir mon engagement citoyen. C'est peut-être une manière parce que je n'ai jamais fait de publicité sur mon cabinet. Jamais. Mais les clients viennent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il y a toujours des urgences. Donc, tu n'as même pas le temps pour toi, en fait. Dans le temps que tu dois même consacrer à faire une procédure, un recours sérieux, tu tombes dessus. Il y a un client qui va t'appeler. Il y a un autre qui va t'appeler. Chacun est dans son urgence. Il faut les rassurer. Il faut les accompagner. Il faut les orienter. Il faut leur dire ne faites pas ci, faites ça. Ne faites pas ça, faites ci. Il faut faire ça tout le temps. Malheureusement, ton engagement citoyen en prend un coup dans la matérialisation. C'est pour cela que je fais souvent, quand je finis ma journée, au-delà de tout, je prends un peu de mes secondes. Je viens m'asseoir, je vous fais un direct. On ne peut pas faire ça à notre Gabon. Cher ministre de l'Intérieur, regardez, vous êtes jeune. Mon Dieu. Et c'est comme ça que vous voulez laisser votre nom dans l'histoire de ce pays-là, dans la poubelle de l'histoire. Vous êtes jeune. Je me souviens de votre première nomination en tant que ministre sous Ali Bongo. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient écrire sur Facebook combien vous étiez brillant. Mais vous vous trouvez brillant dans votre texte que vous avez pondu là, s'il vient vraiment de vous. Vous vous trouvez brillant dedans. Vous vous trouvez intelligent dedans. Vous vous trouvez patriote dedans. Parce que condamner le peuple gabonais à la médiocrité, ce n'est pas du patriotisme. Mentir comme ça aux Gabonais, inventer des notions même de droit, parce que oui, il s'agit d'une loi. Ça n'existe dans aucune loi et ça n'existe dans aucun grand principe, bien évidemment, des élections. Parce que la matière électorale, elle est encadrée. Il y a des grands principes qui existent en droit constitutionnel. En matière électorale, la pré-campagne n'a jamais été, bien évidemment, un de ces principes, un de ces moments, et qui serait de nature à avoir le même contenu que la campagne. C'est quoi la pré-campagne?
Une pré-campagne, c'est quoi? C'est soit on est dans une campagne, soit on ne l'est pas. Et si pré-campagne il y a, c'est peut-être au sein du parti, c'est en off. Ça ne peut pas être officiel. Parce qu'une campagne est forcément officielle. C'est pour cela que la notion de pré-campagne n'existe même pas. En France, je n'ai jamais entendu parler de pré-campagne, en tout cas. C'est une campagne qu'on ouvre. Et le texte est clair. Votre propre loi, que vous-même vous avez montée tout seul, personne, sans aucune contradiction, sans rien, adoptée par le Parlement acquis à votre cause, conditionnée à ne voter que oui pour vous, tout ce que vous allez décider. Vous pouvez même décider que Marlène va être abattue demain à Orlando, là-bas. Le Parlement, là, va voter oui. Parce qu'il est conditionné par vous. Mais j'ai du mal à voir où est la liberté. C'est pour cela que j'ai dit le 30 août que, pour ceux qui s'estiment libres, peut-être, je le respecte, mais moi, je ne vois pas où est la liberté. Parce que de tels comportements ne procèdent pas, eh bien, d'une quelconque véritable expression de liberté. On lit là, soit une main qui tremble, qui est obligée de faire plaisir en ne condamnant pas, en expliquant ce qui n'existe pas, en inventant dans une loi qui existe, qui est disponible, des dispositions qui ne le sont pas. Comment vous pouvez avoir rappelé tout ce que vous rappelez de l'article 69 et aller chuter en disant que on ne considère ces actes que de pré-campagne? C'est quoi une pré-campagne? Alors que la propagande électorale fait partie de la campagne électorale. L'affiche, l'affichage fait partie de... Et quel genre d'affichage? Donc ça veut dire que vous voulez rentrer dans les rapports de force qui ne disent pas son nom. Que d'autres personnes aussi peuvent faire des mêmes affiches pour dire votez non. C'est quoi cette bêtise? J'ai mal à mon Gabon. Franchement, ce que vous êtes en train de faire sous cette transition à ce pays-là, ce pays ne le mérite pas. Pensez au peuple gabonais qui vous a adulé, cher militaire. Pensez à l'expression de solidarité du peuple gabonais. Vous pensez que c'était pour vous voir sombrer encore dans ce que faisait et en pire même, ceux qui étaient là avant vous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'aimez pas vos compatriotes? Pourquoi on constate autant de médiocrité, autant de manipulation, autant de mensonges, autant de non-droits sous vous qui étiez censés venir nous restaurer notre dignité? Qui étiez censés venir faire enfin vivre ce que l'on appelle l'état de droit? Qui étiez censés venir nous dire que peuple gabonais, c'est enfin votre liberté d'expression? Votre liberté d'existence. Moi, j'ai mal. Parce que de tout ce qui se passe, je soupçonne. Et on n'a pas besoin d'être magicien. Ce sont des faits qui nous en convainquent. Qu'il y ait beaucoup de dictature dans plusieurs décisions qui sont prises et dans plusieurs choses qui sont dites. Parce que dans la liste de plusieurs enseignants de l'UOB qui ont écrit la Constitution, là, de ce que j'ai entendu, je sais qu'il y a beaucoup qui ne peuvent même pas être de solidarité à ça. Je n'ai pas besoin de leur demander. D'autant plus que depuis que moi, en ce moment, mon attitude est que j'entends que tu es nommé par le CTRI, je réduis mes fréquentations à ton endroit. Parce que je ne veux pas qu'on dise que ce que tu dis ou ce que je fais vient d'une personne du CTRI. Je ne veux pas être responsable du départ du gouvernement ou de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Donc, tu es membre du CTRI. Je coupe mon contact. Je ne te fréquente plus. Parce que je ne veux pas qu'on dise que c'est à cause de moi que tu es devenu comme ci, tu es devenu comme ça. Les seules personnes que je fréquente sont des personnes en capacité de le comprendre. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller poser la question à mes enseignants là et je sais que de toute façon, ils ne me diront rien, ils sont tenus à la réserve. Mais je sais, parce qu'ils m'ont enseigné, je connais leurs valeurs. Je sais qu'ils ne peuvent pas avoir fabriquer ce texte connaissant leur connaissance du droit. Donc la seule explication plausible, c'est qu'ils y ont été contraints. Ils ont été contraints d'accepter ce texte. Ils ont été contraints de valider ou de signer, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, ce texte-là. Mais il ne vient pas d'eux. Il ne vient pas d'eux. C'est pour cela qu'il est si mystérieux. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas nous le rendre public. Parce qu'ils savent que ce texte est un ramassis d'énormités, et je l'avais déjà prédit. Avant même la tenue du dialogue, que ce qui allait en résulter devait être un fourre-tout de tout et n'importe quoi, qui sont les uns les autres incompatibles. Et on allait faire un truc
qui ne ressemble à rien et qui ne vaut rien. Je l'ai dit avant même le dialogue. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous n'écoutez que ceux qui vous caressent dans le sens du poil. Excusez-moi, je n'ai pas été éduquée comme ça. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas caresser quelqu'un dans le sens du poil. Je sais dire ce que je vois, ce que je ressens, ce que je vis. Je ne sais pas caresser dans le sens du poil. On ne m'a pas éduquée comme ça. Et je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Tu me dis de mentir, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas mentir. Et là, je ne peux pas non plus, étant fille de pauvre, fille d'ignorant, je ne peux pas être solidaire à ceux qui abusent de l'ignorance de mes compatriotes, des miens. Je ne peux pas. Vous faites trop fort. Et il faut que le peuple gabonais se réveille. Il faut que le peuple gabonais se réveille. Il n'était pas question que nous soyons en opposition de nos militaires. Quand on a décidé de rentrer dans cette période de transition, il n'était pas question que nos militaires vont venir nous martyriser. Il n'était pas question que nos militaires vont nous faire peur au point de faire perdre à des dignes enfants du Gabon toute leur crédibilité. Parce que je ne crois pas que tous ceux qui sont allés rejoindre le CTRI l'ont fait par politique du ventre. Beaucoup l'ont certainement fait parce qu'ils ont cru que le CTRI allait vraiment leur donner la marge de manœuvre d'être de sérieuses contributions à l'édifice du nouveau Gabon. Malheureusement, ils se sont très vite rendus compte que non. Le discours appelant était de nature très mielleuse. Oui, vous êtes de braves, des intelligences du pays, vous allez sortir ce pays de la difficulté, on a besoin de vous. Vous partez, vous dites c'est par patriotisme. 2, 3, 4 secondes après, vous vous rendez compte qu'en fait c'était totalement le contraire de ça à quoi, bien évidemment, on vous prédisposait. Donc, chers compatriotes, je ne peux pas avoir la prétention de dire que j'aime ce Gabon plus que qui que ce soit. Mais je peux avoir la prétention de dire que je suis gabonaise au même titre que tout le monde ici, au même titre que le général Oligui, au même titre que qui que ce soit dans cette transition. Donc, je ne me considérerai pas, quand il faut défendre les intérêts de ce Gabon, eh bien, en infériorité de qui que ce soit, ou en demande d'autorisation d'expression à qui que ce soit. Parce que ce pays est autant le mien qu'il est pour chacun d'entre vous. Et si nous voulons qu'il vive, si nous voulons qu'il soit, si nous voulons qu'il prédestine nos enfants à un avenir mieux que ce que nous avons connu et ce que vous avez tous dénoncé, il faut que nous ayons le courage de nos convictions. Il faut que nous ayons le courage de notre identité. Il faut que nous ayons le courage de notre citoyenneté. Il faut que nous ayons le courage de notre liberté. La liberté ne se donne pas. Personne ne viendra te donner sur un plateau d'argent. Oh, il nous a donné la liberté, il nous a rendu libres. Faux, tu te libères toi-même. Toi-même. Personne ne vient t'offrir la liberté. C'est toi-même qui t'as franchi des barrières qui t'empêchent d'être en totale jouissance de ta liberté. Et je vous invite toujours de le faire dans le respect de l'ordre public. Ne pas rentrer dans des choses qui peuvent être de caractérisation d'infraction. Mais de ce qui concerne l'actualité de notre pays, vous êtes totalement libre d'être d'accord comme vous êtes totalement libre de ne pas être d'accord. Moi, ce qui m'offusque le plus, c'est d'entendre des énormités qui n'existent nulle part que sous cette transition, on a envie de nous faire avaler et ainsi achever le plan diabolique de médiocritisation, je vais inventer ça comme ça, de nos enfants. Parce qu'on est dans un système de médiocratiser les enfants gabonais. Eux, leurs enfants, ils sont dans les meilleures écoles. Vous êtes. Et leurs enfants ne suivent pas les conneries de ce qu'ils font. Mais vous n'avez que pour écouter, vous n'avez que à entendre. Donc, considérez-vous que vous allez être que le produit de ce qu'ils veulent bien que vous soyez.
Et quand leurs enfants viendront demain, leurs enfants seront de brillantes personnes qui connaissent tout. Et vous, vous ne serez que de piètres personnes qui devront continuer de génération en génération à vous constituer leurs esclaves et à les servir. Il faut sortir de là. Peuple gabonais, il n'y a pas de pré-campagne qui tienne. La pré-campagne dont on a souvent parlé au Gabon n'a souvent été qu'une méthode malsaine pour le PDG de justifier de sa présence sur le terrain sans droit. Quand ils voulaient maintenant aller corrompre, puisqu'ils savaient qu'eux, ils avaient les moyens d'être là après campagne, en campagne, ils ont philosophé avec cette notion de campagne en créant une période de pré-campagne qui n'existe pas. Qui n'existe pas, j'insiste, il n'y a pas de pré-campagne qui soit reconnue par la loi. Ça n'existe pas. Il y a une période de campagne, elle est fixée par le ministre de l'Intérieur, publiée. Après, le décret vient l'asseoir. Dès cet instant, tous les candidats ou toute personne d'intérêt, comme il s'agit d'un référendum, rentre. Rentre en campagne. Mais voyez-vous l'ubuesque? Voyez-vous l'ubuesque? C'est-à-dire que tout un ministre qui vient nous dire que comme il a en totale incapacité de sanctionner ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, de nous imposer une campagne, vous voyez là qu'ils disent que c'est pré-campagne, ce référendum ne peut pas se tenir parce qu'il est déjà violé. Est-ce que vous comprenez ça? Même s'ils se forcent de le tenir, nous on va se battre, même s'il faut aller devant les instances internationales, si on ne nous entend pas chez nous, c'est-à-dire que quand on tire la sonnette d'alarme, quand on parle, on ne nous entend pas, on va se battre juridiquement. Et le référendum là, même si on va sanctionner là-bas, oui, on ne va pas l'accepter, on va se battre pour le déclarer nul. Pour une simple et bonne raison qu'il a déjà violé. Il est déjà violé, il est déjà biaisé. L'élection est truquée d'avance. Les mêmes techniques qu'on a reprochées au PDG, ce sont les mêmes techniques qu'on reproduit. Alors c'est qui le PDG? Faut voir certains de nos compatriotes qui mangent un peu de miettes de cette transition sur les réseaux sociaux venir défendre bec et ongles les leurs pour sauvegarder le petit ruissellement qui se déverse sur eux en privilège indu. Faut les voir venir te convaincre de ce que, ben oui, madame et cela, vous aimez condamner, vous ne dites jamais que c'est bien, ah oui, c'est monté, c'est descendu, vous êtes contre la transition. Non. On n'avait même pas à être contre la transition. C'est la transition et ces autorités du CTRI qui se comportent comme un parti politique. Je voudrais revenir, ce n'est pas une fixation que je fais, mais ça fait partie de l'actualité, il faut en faire. Sur ce qu'a dit Laurence Ndon à RFI, il y a deux choses qui m'ont marqué. Laurence Ndon nous apprend à RFI que, eh bien, M. Brice Clotel Oligingema est un homme d'État parce qu'il continue les œuvres laissées par Ali Bongo. Donc il a conscience de ce qu'est la continuité de l'État. Mais si tu as conscience de ce que tu continues les œuvres initiées par Ali Bongo, eh bien, tu ne te les appropries pas, tu n'en tires pas les profits, tu ne les mets pas dans un bloc d'action réalisée par le CTRI. Tu n'en tires pas profit. Un homme d'État ne fait pas ça, parce que l'État est impersonnel. L'État ne saurait se confondre ou se confondre d'une association. Que ce soit le CTRI, que ce soit un parti politique. C'est cette lecture des choses qu'il faut abolir dans ce pays. On a fait penser aux Gabonais que le PDG était devenu l'État. Sous cette transition, au lieu de restaurer les institutions et de restaurer les choses, la mémoire collective sur ce qui doit être, on vient nous faire comprendre que maintenant, c'est l'association CTRI qui est devenue l'État. Face à de telles confusions, on est bien évidemment dans la personnification du pouvoir, la personne ici pouvant être morale ou physique. On est dans la personnification du pouvoir. Et qui dit personnification du pouvoir dit pas
patrimonialisation du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, ce sont toutes ces choses que nous dénoncions sous les bongos, que nous ne voulions plus revivre, que nous ne voulions plus voir. Concrètement, on entend quoi par restauration des institutions? Concrètement, on entend par restauration des institutions le fait de permettre que ces institutions fonctionnent comme elles ont été prévues, sans violation d'aucune disposition qui les concerne. L'institution de président de la République est définie par la Constitution. Et dans l'institution de président de la République, il y a des prérogatives du président de la République. Et là où il n'y a pas de prérogatives de président de la République, le président de la République ne peut donc pas outrepasser le cadre de ses prérogatives. Donc, l'institution parlementaire. Dans l'institution parlementaire, comment est-ce que le Parlement doit fonctionner? Comment est-ce que... Qui sont les parlementaires? Quelles en sont les prérogatives? Comment ces parlementaires doivent fonctionner dans leur essence? C'est-à-dire comment c'est dans les textes? Quand on restaure cette institution, on l'amène à fonctionner strictement, rigoureusement, conformément à ce qui est prévu au texte. Quand on parle de l'institution gouvernementale, c'est pareil. Un gouvernement, c'est quoi? Quelles sont les prérogatives du gouvernement? Quelles sont les obligations de membres du gouvernement? Quels sont les domaines de compétences de ces membres du gouvernement? Quand on dit qu'on restaure les institutions, on va maintenant correspondre à ce qui est écrit noir sur blanc. En somme, restaurer les institutions pour ce qui est du Gabon n'était que venir enfin faire le filtre de ce qui doit être, pas tout ce qu'on a fait, qui était en totale violation de nos textes. Un président qui prend des prérogatives de député, un président qui prend les prérogatives de juge, un président qui prend les prérogatives de ceci, une cour constitutionnelle qui prend les prérogatives de cela. On était en total irrespect de nos institutions. C'est pour cela que le discours du 30 août nous a séduits. Parce que faire le constat de ce que les institutions de la République gabonaise ont été dégradées, ont été dépravées. On ne les respecte pas. Parce que les copineries, coquineries, les favoritismes, les prises illégales d'intérêt, les concussions, les corruptions, tout cela fait partie, bien évidemment, des atteintes à nos institutions. Donc, et on a normalisé cela. On a normalisé ces fonctionnements. Ce qui a donc constitué une dégradation de nos institutions. Ce qui a donc constitué, eh bien, une détérioration de nos institutions. Ce qui a donc constitué, si je m'abuse encore un peu, une destruction de nos institutions. À partir de cet instant, les restaurer, c'est les mettre en l'état originel, c'est les mettre en leur état de fonctionnement normal. Et c'est ce qu'il fallait expliquer aux Gabonais depuis. Et il fallait veiller à cela. Quelqu'un qui a été recruté par favoritisme, eh bien, il est sanctionné. Quelqu'un qui a eu des fonds d'un investisseur quel qu'il soit, il faut le sanctionner. Remettre des choses à plat, remettre chacun à sa place, remettre chaque autorité avec ses compétences limitées à sa sphère de compétences sans l'outrepasser. Stopper avec les abus de pouvoir, stopper avec les confusions de pouvoir, marquer la vraie séparation de pouvoir. C'est cela la restauration des institutions, chers compatriotes. Mais voyez-vous, nous demandons, ne serait-ce qu'une information pour que l'on nous explique ce qu'est cette restauration des institutions. Personne ne peut le faire. Parce qu'on restaure quoi? C'est quoi restaurer? Remettre en l'état. On n'a pas dit restaurer le PDG. On n'a pas dit restaurer les mentalités du Gabon. Là, on peut se dire que les mentalités du Gabon étaient déjà politiques du ventre. Prévarication des ressources étatiques. On peut le dire. Donc, les restaurer, puisque peut-être nous étions partis de cet état de fait, c'est les ramener à cette réalité. On a dit restauration des institutions. Et les institutions, ce n'est pas nous qui les inventons. Les institutions, nous les avons adoptées
quand nous sommes devenus Gabon. Et dès lors que nous avons décidé que voilà ce qui va conduire la vie du Gabon et voilà comment on organise nos institutions, ces institutions-là, quand on décide de venir les restaurer, c'est parce qu'on a fait le constat préalable de ce que ces institutions avaient été dégradées, avaient été détériorées et avaient été détruites. Il faut donc les réparer, les remettre dans leur état originel. Et c'est pour cela que j'avais dit, le 2 septembre, je pense, à Télé Africa, j'étais au Gabon. J'ai même lu sur YouTube que je n'étais pas au Gabon pendant le coup d'État. Eh bien, dis donc, quand on te déteste vraiment. Le 2 septembre, je l'ai dit à la télévision, que le premier chantier de la restauration des institutions, c'est l'éducation populaire. L'éducation populaire sur ce qu'est la République, sur ce que sont d'abord nos institutions, sur ce qu'est la forme d'organisation sociétale dans laquelle nous sommes, sur ce qu'est la citoyenneté, parce que beaucoup de nos compatriotes ne savent pas c'est quoi être un citoyen, ne savent pas quels sont les droits du citoyen, ne savent pas quelles sont les obligations des citoyens. Beaucoup, malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Donc, pour nous donner une chance de réussir le pari que les militaires s'étaient donné de restaurer les institutions, il fallait absolument, le seul chantier qui allait, qui était de rigueur, c'était la restauration, eh bien, de ce que l'on appelle, on ne va pas parler de restauration, l'éducation populaire, l'appropriation du Gabonais de ces institutions. Parce que malheureusement, pour beaucoup de nos compatriotes, ce sont les choses des Blancs, ce sont les valeurs des Blancs. Même moi, quand je parle de la République, on me dit, oui, madame, ce que vous dites, c'est la République de France, c'est pas le Gabon. Ben si, c'est le Gabon, parce que le Gabon est devenu Gabon, a été créé sur la base de ce dispositif. Et quand je m'en revendique sur le territoire gabonais, je ne me revendique pas la France, je me revendique le Gabon. Je me revendique le Gabon. À partir de cet instant, voyez-vous, est-ce que nous sommes dans la restauration des institutions? Moi, je pense que nous sommes de plus en plus dans la destruction des institutions. Si sous Ali Bongo, nous étions déjà dans la dégradation de nos institutions, sous la transition, nous sommes dans la destruction de nos institutions. Les DDD, vous savez, en droit pénal, dégradation, détérioration et destruction, les 3D, les tags, casser, machin, et détruire. Donc, si sous Ali Bongo, on était en dégradation, sous la transition, on est en détérioration. Maintenant, si le constat que vous avez fait sous Ali Bongo de nos institutions était celui de la détérioration, sous la transition, nous sommes dans la destruction de nos institutions. Et c'est cela la fabrique de la médiocrité. La fabrique de la médiocrité, c'est imposer aux Gabonais d'accepter cela en le rendant joli, en le rendant même recevable, en le disant avec plusieurs contours ou tournures qui ne veulent au final rien dire, si ce n'est dire exactement la même chose. Une chose et son contraire. Voilà le flou. On fabrique la médiocrité au sommet de l'État, dans le mépris total de nos institutions. On fait d'un président la transition, un président de la République, eh bien, il n'y a pas pire destruction des institutions que cela. Parce que l'institution de président de la République est clairement définie. On y accède par un processus clairement défini. Mais décider de faire d'un individu, parce qu'il a envie de s'appeler président de la République, un président de la République, alors qu'il est président de la transition, qui est un organe en lieu et place d'être une institution, il n'y a pas pire destruction de nos institutions que cela. Donc, nous ne sommes dans aucune restauration des institutions. Il aurait donc fallu dire, le 30 août, dans ce fameux discours, que les militaires venaient restaurer le PDG. Les militaires venaient restaurer les vieilles pratiques du bongoïsme vomi par les Gabonais. Et je me rends compte que c'est sous Ali Bongo que nous avions même ces libertés. Parce que les expressions étaient multiples sous Ali Bongo que sous la transition. Tous ceux qui criaient, qui dénonçaient ce que faisaient les bongos dans la détérioration, la dégradation du Gabon, sont devenus
d'un silence absolument complice de la destruction de nos institutions en lieu et place de leur restauration. Voilà ce par quoi nous passons. Donc, excusez-moi, je n'oblige personne à me suivre. Mais je voudrais quand même que nous soyons un tant soit peu, ne serait-ce qu'honnêtes envers nous-mêmes. Omar Bongo, pour ne pas le citer, a dit « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. » Malheureusement. Mais nous le faisons. Chers compatriotes, il est minuit. J'ai promis de dormir un peu tôt aujourd'hui, donc... Le ministre de l'Intérieur raconte n'importe quoi. Il dit des conneries. Ce n'est que ce que je peux... Voilà. Et ça, c'est même pour être très tendre et gentille. Et vous savez que je suis de nature très tendre et gentille. Il dit de belles conneries. Il abrutit les Gabonais. Et c'est très grave. Donc, pour ceux qui me suivent et qui me font un peu confiance sur mes petites capacités et sur ma petite jugeote, ne croyez pas un seul mot de ce qu'il dit et nous allons nous défendre. Au-delà de m'asphyxier de clients, hein, je vous remercie pour ça. Au moins, vous me faites manger sans pour autant venir gratter la tête de qui que ce soit. Mais rassurez-vous. Rassurez-vous que je vais me battre. Je vais trouver du temps d'ici la semaine prochaine à faire des rédactions que je dois faire et à les adresser aux instances devant lesquelles je dois les adresser. Que ce soit les instances nationales, que ce soit les instances internationales. Parce que même la Charte de la Transition reconnaît justement ces instances internationales. Je pense que le Gabon, qui n'a jamais été condamné jusque-là pour violation des droits humains, pour violation des droits et libertés fondamentales, va l'être pour la première fois et nous allons nous y atteler. Rassurez-vous, hein, tout ce que je fais est enregistré. J'ai des amis partout dans le monde qui enregistrent tout ce que je fais. Donc, même si vous me tuez cette nuit, ces amis-là, le projet que j'ai dit là, porter plainte devant les instants, ils vont prendre ça, ils vont faire ça pour moi et ils vont aller déposer ça. Et j'en dis dans le monde, c'est dans le monde. C'est même pas en France pour la plupart. Donc, si vous voulez me tuer, moi, je n'ai pas peur de la mort. Non, du tout. On ne m'a pas élevé dans la peur. J'ai bravé toutes mes peurs quand j'étais au village. Je sais que je peux mourir à tout moment. Mais je ne me tairai pas, je ne m'étoufferai pas. Vous qui vous inquiétez pour moi, c'est bien, vous m'exprimez votre amour, mais je ne partage pas vos peurs. Et toutes les fois que mon expression est conforme à l'ordre public, je ne craindrai rien. Mais non, si nos militaires sont devenus des terroristes, qui, pour peu que tu dises oui ou non, on vient te prendre, sans que tu n'aies commis aucune infraction, on te jette en prison, eh bien, je ne pourrai rien faire face à cela. Pour une simple et bonne raison, qu'un criminel reste un criminel. Et un criminel, tu ne peux pas l'empêcher de commettre un crime. Tous ceux qui sont dehors là, tous les criminels qui sont dehors là, c'est parce que toi, la victime ou la potentielle victime, tu dis que tu ne veux pas être victime, qui va t'épargner? Non. Un criminel vit du sang. Donc, s'il doit t'atteindre, il va t'atteindre. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, peu importe. Donc, ce n'est pas à moi de me taire pour éviter que... Eh bien, on vient de me prendre sans aucune infraction commise. J'essaye de faire attention. Quand je traite de ces questions, de toujours rester dans le respect de l'ordre public, au-delà de ce que, bien évidemment, pour certains qui ne comprennent pas ce qu'est l'expression de liberté, eh bien, mon expression soit dure. Parce que quand je dis à un ministre qui raconte de la merde, des conneries, certains verraient que c'est, je ne sais pas, une infraction, mais non, ça ne l'est pas. Je constate un fait, j'analyse un fait, pour moi, c'est des conneries, ce sont des bêtises qu'il débite. Et c'est grave, de par les responsabilités qu'il occupe,
parce qu'il va influencer la conscience collective du peuple gabonais en l'embrigadant dans des... Ce ne sont même pas des demi-vérités, des contre-vérités. Et pour instruire nos compatriotes, on rate l'occasion de le faire. On les condamne à l'ignorance absolue. Pire que les condamner à l'ignorance, on les condamne à des contre-vérités qui peuvent leur être eux-mêmes préjudiciables demain. Donc, je me sens parfaitement citoyenne. Je l'avais dit, si on m'avait écouté, et comme dans ce pays, les gens ont la culture que les gens aillent leur gratter la tête, moi je ne gratte la tête à personne. Je ne l'ai pas fait hier, je ne le ferai pas aujourd'hui. Je suis moi, j'expose, je n'impose rien à personne, et à prendre ou à laisser. Si on avait voulu être sérieux, même le livre La République, c'est moi. Quand je croyais naïvement encore que plusieurs de nos militaires voulaient vraiment restaurer les institutions, je me suis dit, ah, on dirait que ce livre était précurseur du besoin du Gabon et du peuple gabonais. Parce que ce livre tombe à bon droit de ce que l'on appelle cette volonté de restaurer les institutions. Parce que restaurer ces institutions passe par les connaître, passe par les maîtriser, passe par connaître déjà son identité, sa citoyenneté, pour pouvoir permettre le vivre ensemble, les valeurs de la République, les valeurs que nous avons en partage, les grands principes au travers desquels, bien évidemment, ces valeurs se déploient. Et je me suis dit que voilà, ils vont peut-être prendre ce livre et puis le donner à tous nos élèves, le donner à tous nos enfants, le donner. Non, ils ne l'ont pas fait. Je ne le demande pas spécialement. Je me dis tout simplement que nous venons là de rater une occasion. Pour moi, le référendum est déjà dans l'eau. Et on aura pour preuve, eh bien, le texte du ministre. Parce que si même un ministre n'est pas capable de sanctionner les actes en totale violation de la loi dont il a la charge, eh bien, ce n'est pas le référendum ou l'élection, ce n'est pas le référendum qui respectera. On pourra tous voter non à ce référendum. Ils viendront nous dire à la télé que c'est eu, exactement comme ça se passait sous le PDG, puisque les techniques n'ont pas changé. Ce sont les mêmes et ça continue sous cette période de transition. Et c'est dommage. Je suis donc en train de me rendre compte, comme beaucoup de nos compatriotes, qu'il fallait tout simplement restaurer les anciens du système, parce qu'ils en avaient été éjectés et les frustrations ainsi nées ont construit la haine viscérale contre la personne d'Ali Bongo, qui donc était à la manœuvre de ces évictions, et contre la personne de son épouse Sylvia Bongo, et contre la personne de Nourdine Bongo. Qu'en réalité, il n'a jamais été question de sauver le Gabon, encore moins les Gabonais. Il a tout simplement été question de ramener à la mangeoire ceux qui avaient le droit de manger hier, même si cela fut indûment, au détriment des aspirations profondes du peuple gabonais, que l'on ne manque pas de contenter d'avec, eh bien, quelques miettes tombées de table. Et tant que le peuple gabonais se comportera en réceptacle de ces miettes, en lieu et place de se revendiquer, eh bien, ça part sur la table. Malheureusement, ces personnes prospéreront. Mais le jour où le peuple gabonais arrêtera d'être mendiant de ses droits, mendiant de ce à quoi il a droit, eh bien, peut-être ce jour, eh bien, les personnes en face aussi seront conscientes de ce qu'il est peut-être temps d'abandonner notre projet macabre pour nos compatriotes. Parce que j'en ai la conviction. Eh bien, un peuple oriente ses dirigeants. Un peuple qui a l'habitude de subir, de boire, de s'humilier, d'être piétiné, ne peut pas encourager les dirigeants à être meilleurs ou droits. Je l'avais dit dès le 2 septembre. Eh bien, il n'a pas fallu bien de jours après, dès que tout le monde est allé faire allégeance à Oligui le 4 septembre, eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé après. Tous les engagements qu'ils prenaient commençaient les uns les autres à disparaître du sceau de la matérialisation. Pourquoi? Parce que il avait compris que en face, il n'y aura personne pour le rappeler à l'ordre de ce qu'il avait dit, de ce dans quoi il s'était engagé. Et c'est pour cela que beaucoup se sont même permis d'aller appeler à candidature, alors qu'il y a une charte de la transition qui l'interdit. Donc, alors que lui-même avait dit devant tous les Gabonais, la presse nationale et internationale, qu'ils ne venaient pas pour rester au pouvoir, qu'ils sont venus pour stopper l'hémorragie, qu'ils sont venus pour être neutres
et pour pouvoir organiser des élections, remettre le pouvoir aux civils, c'est-à-dire, c'était entendu qu'il n'y avait pour concurrent que des civils qui s'organiseraient, eh bien, et que le vainqueur sera vraiment le vainqueur. Grâce à l'attitude de mendiant et de ventre affamé, ou de politique de ventre à laquelle nous sommes habitués dans ce pays, eh bien, ces paroles se sont très vite volatilisées et sont devenues, j'ai envie de dire, transformées en l'assumant même en une candidature avérée. Alors que tout est prévu, que ce soit dans cette charte de la transition, que eh bien, la candidature de M. Oli Guingamah n'est pas recevable, n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons échoué encore une fois. Après, on veut se complaire dans l'accusation de ceux du passé. Pourtant, nous sommes au pouvoir et acteurs aujourd'hui et nous avons la possibilité de réparer ce qui a été mal fait, mais nous ne le faisons pas. Parce que soit on a peur, on a tous des fusils peut-être dans nos bureaux sous la tempe et on ne le sait pas, nous, peuple gabonais. Si c'est le cas, faites un petit signal pour dire que vous êtes en danger et on comprendra. Mais non, si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes vraiment vous-même des vrais sorciers du Gabon et que c'est vous qui êtes des artisans de ce que jamais le peuple gabonais n'accède à la dignité humaine pour laquelle je me bats. Je vous aime très fort, tous, sans exclusive. Et je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Prenez soin de vous. À très bientôt. Vive la République pour que vive le Gabon. Merci les miens.